Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tout simplement. On va réagir au pire cadeau de Noël 2019. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est mon pire cadeau ou même mon meilleur cadeau, je le dirai à la fin de cette vidéo. Et à 500 pouces bleus, pourquoi pas faire une vidéo les meilleurs cadeaux de Noël 2019. Voilà, let's go, on est parti sur Twitter pour voir ce que vous avez eu. Du coup les gars, on est sur Twitter, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Twitter. Le lien est en description pour ceux qui veulent, toujours cool. Et on commence directement avec le premier cadeau de RT Pierre. Joyeux Noël à tous, sauf à ceux qui offrent ce genre de cadeau. Grève du 24 décembre, pire Noël. Ah, j'avoue que le petit Scorpio là, alors là, de base, je sais, j'ai déjà eu, mais moi c'était Axe, moi j'étais team Axe les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos pires cadeaux en commentaire. C'est quoi vos pires cadeaux dans le... Mettez vos pires, votre pire cadeau et votre meilleur cadeau en commentaire. Comme ça, on regardera et peut-être pour la prochaine vidéo de... On sait pas. Du coup, là, je pense qu'il y avait, en vrai, 100%, il y avait un parfum, un déo et un gel douche. C'est tout comme ça. Scorpio rouge, le plus brûlant des parfums d'homme. Ah oui, voilà. Déodorant parfumé, eau de toilette. Ah, c'est pas... Ah non, c'est de l'eau de toilette vaporisateur. Et du gel douche parfumé. Donc ouais, ça, c'est vraiment le truc que t'as en mode... Ouais, bah... Ok, pourquoi pas. Et là, c'est quoi ça? C'est des After Eight. Donc ça, c'est des Dark Chocolate. Je connais pas plus que ça, j'en ai jamais eu de ma vie. Mais du chocolat, en vrai, ça peut pas être mauvais. Par contre, ça, ouais, ça c'est... Il y a vraiment des gens dans le chat qui aiment les Mon Chéri. Genre, Mon Chéri. Genre. C'est dégueulasse, il y a de l'alcool qui... Rien que le goût, rien que d'y penser. Dégueulasse. Là, on a JT, les amis. Mon pire Noël, c'était 2018. Donc l'année dernière, j'ai eu comme cadeau... Ah d'accord, j'ai eu ça comme cadeau en 2009. Ah d'accord, et en fait il a eu ça en 2018 et cette année il a toujours pas eu le courage de l'ouvrir. Ah oui, du Cyril Hanouna, il faut s'accrocher aussi. Hein. Ça va être le Darka, mes petites beautés. D'accord, Bab Béro, Cyril Hanouna, 820 questions pour passer une soirée de fou. Je suis pas sûr que... Ouais, c'est pas foufou non. Merci pour votre soutien. D'accord, c'est le mec, mais merci pour votre soutien en tweet quoi, putain, what the fuck. Donc là on a François, donc là j'ai eu le droit au pire combo en cadeau de Noël possible avec en plus un gel effet mouillé. Il a eu quoi? Du brut? J'ai jamais eu ce parfum là, je sais pas s'il est bien. Scorpio, ah, les gars là, les Scorpio, ouais. Eh mon pote Scorpio, en fin d'année ils doivent se mettre bien, hein, le chiffre d'affaires. Et après on a quoi? On a du coup du gel mouillé. En vrai, si tu utilises ces produits là, pourquoi pas? D'ailleurs ceux qui ont vu ma vidéo Noël, ce que j'ai eu à Noël, bon moi j'étais content de ce que j'ai, mais il y en a plein qui étaient en mode, mais c'est claqué ce que t'as, mais... Après, si le mec il utilise du gel mouillé, pourquoi pas, tu vois. Oh là là, oh là là, lui les gars, c'est le meilleur cadeau, et ça sera sûrement le titre de la vidéo, Minecraft au lieu de Minecraft à Noël. Il est incroyable. Et je vous laisse écouter. Alors, on va monter le son à fond, tac, boum, boum. Voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Non, mais c'est Minecraft qu'il voulait. C'est Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo Minecraft, c'est pour les gamins. C'est pas possible. Du coup, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, le mec avait commandé Minecraft, donc tu peux l'avoir, je pense, en CC, Xbox ou quoi que ce soit, tu peux l'avoir en CD. Et le mec lui a offert Minecraft, en gros. J'avoue que bon, je sais pas si c'est... Bon, je pense que c'est fake, mais imaginez, ça arrive vraiment. Enfin, j'ai du mal à me dire, le mec, enfin, Minecraft. Déjà, où est-ce que tu trouves ce putain de livre? Il devrait être brûlé, ce livre. Votre pire cadeau de Noël, perso, c'était ça. Ah oui. Ah oui, là, ah oui, quand tu... ah oui, du CM2 à la 6ème, de 10 à 11 ans, le passeport numéro 1 des cahiers de vacances. Oh, tu dois avoir le seum, là. Moi, j'ai eu la chance de jamais trop avoir de cahiers de vacances, j'en ai eu un seul dans toute ma vie. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont le droit chaque été, les gars, hein. Courage, hein. Je suis avec vous. Hein. C'est quoi votre pire cadeau de Noël? Moi, c'est un paquet de mouchoirs emballés dans 10 papiers cadeaux différents, j'avais 13 ans, j'ai pleuré. Alors, déjà, je comprends pas trop le... Enfin, moi, je trouve pas ça trop drôle d'emballer des cadeaux dans des cadeaux, c'est... Enfin, tu vois, c'est... Bon, je sais... Moi, ça m'amuse pas trop personnellement, même déjà de le faire, je trouve ça chiant. Et en plus, le mec, il est en mode, ah, c'est un cadeau dans un cadeau. Ah, c'est vraiment l'originalité au bord de l'originalité, là. Hein. Et du coup, il a eu quoi dedans? Il a eu 10 pap... Il a eu un mouchoir emballé, d'accord. Bon, il devait avoir le seum, que. Un dictionnaire. Ah oui, du coup, c'était la réponse au tweet. Et il y a un mec qui a dit qu'il avait eu un dictionnaire. T'as un dictionnaire, frère. Il y a encore des... Vraiment, honnêtement, est-ce qu'il y a encore des mecs en 2019 qui utilisent un dictionnaire? Dictionnaire. J'ai petit dictionnaire depuis, les gars, moi j'utilise ce site-là, je vous le conseille. Ça s'appelle scribens.fr, vous mettez genre, par exemple, je sais, sans S, je sais comme ça. Les gars, hop là, vérifiez, pouf, pam, boum, je sais, majuscule, tout, c'est tout, mais c'est
Trop bien. Je conseille. Et là franchement, si vous tchatchez une meuf, les gars, vous faites des fautes, vous écrivez, vous faites vérifier et c'est le feu. Voilà, petit tuto. Du coup, là, la meilleure et le pire cadeau de Noël. Et donc, c'est ça. Ah, c'est un gif, ok. Alors, en gros, quand tu dis coucou, t'as les chaussettes. Bref. Je voulais. Les gars, on le voit là. On le voit là. Là, il me fallait une vidéo pour le 31. Et il est 21h. Et il faut que je fasse le montage. J'ai plus d'idées. J'ai plus rien. J'aime bien. Après, les gars, moi, je suis un Twitcher, les gars. Les gars, venez sur Twitch, les gars. Qu'est-ce que vous branlez là sur YouTube là? Vous croyez que YouTube, ça va rester longtemps encore là? En plus, avec la loi, je sais pas quoi, de mes couilles. On dégage, les gars. On va directement sur ma chaîne Twitch, Cocteau, et puis vous venez, je fais les meilleurs lives, même pas Fortnite, je fais tout. J'ai regardé, j'étais sur Tinder il y a pas longtemps, regardez. Allez, voilà. Allez. C'est incroyable, vraiment, venez sur Twitch les potes, venez sur Twitch, enfin je sais pas, faites quelque chose honnêtement. Non en vrai, venez sur Twitch, surtout que je fêterai le nouvel an sur Twitch, donc s'il y en a qui veulent fêter le nouvel an avec moi sur Twitch, n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas de famille. Vous êtes orphelin comme certains peuvent l'être, n'hésitez pas. Du coup, les gars, moi, mon pire cadeau de Noël, ça a été un microscope. Un microscope. Est-ce que j'ai une tête de scientifique? Non. Du coup, mon pire cadeau, c'était un microscope. Et mon meilleur cadeau, j'en ai eu quand même beaucoup des bons cadeaux. Hein, entre la Wii, la DS, le Toupie Blade, etc. J'ai pas vraiment un meilleur cadeau, mais je dirais quand même, putain, la Nintendo DS, les gars, putain, c'est toute mon enfance, quoi. Bref, voilà, j'avais juste oublié de tourner ce petit passage. Du coup, n'oubliez pas de me dire qu'est-ce que c'est votre pire et votre meilleur cadeau en commentaire. Voilà. Alors moi, vous savez, les gars, YouTube, je suis pas un genre. Enfin, je sais pas, YouTube, faut pas. Il faut. Oh putain, des choses! En plus, je peux pas gueuler parce qu'il y a mes voisins, il est 21h et si je gueule, je me fais exproprier. Donc là, je peux même pas gueuler en plus. Genre, what the fuck, des chaussettes! Ouais, mais moi, je peux pas. Genre, en vrai, j'essaie de faire des vidéos comme ça, mais c'est pas mon truc. Bref, moi, je vous retrouve sur Twitch. Les vrais le savent. Pouce bleu, abonnement à la chaîne YouTube et merci pour toutes les vues et tout en ce moment, c'est cool. C'était Cocteau, ciao ciao, ça fait pas 10 minutes, mais qu'est-ce que je m'en tape la nouille, hein.